Salut, salut! Eh ben, tout va mieux à bord de Saint-Jamet-Biscuiterie de l'Abbaye, puisque on avance à 7 nœuds. Et après une journée à l'arrêt, ça fait trop trop plaisir. Et ouais, c'est pas mal de reprendre un peu de vitesse, même si c'est pas fou et on espère que ça va durer. Et surtout, on a de la météo. Alors, chose que ça faisait 3 jours qu'on n'avait pas de fichier, du coup, on savait pas où on allait, enfin, dans quoi on s'engageait. Et on s'est retrouvés empêtelés dans une dorsale pour toute la nuit. Du coup, Jeanne a réparé le spi. Et là, le truc, c'est que la météo est encore assez incertaine. Il y a peut-être une autre dorsale à traverser. Les fichiers sont pas tous d'accord. Avant d'arriver à ça, et ben, nous, on commence à se rationner parce qu'on avait pris 25 jours de gasoil, de nourriture et d'eau. Sachant qu'on a perdu un peu de gasoil parce qu'on avait une fuite dans notre réservoir. Et ben, on est un peu limite. Donc, on a éteint tous les trucs inutiles. On n'a plus beaucoup d'électronique d'allumée. On a mis nos afficheurs en veille. On n'en a plus qu'un. Pour la nourriture, ça devrait aller. On a assez à manger, mais on n'a plus de saloperie. Donc maintenant, on attaque la phase d'affûtage. Et ça devrait le faire quand même, puisqu'on est passé de 6 charges par jour à, je pense, 2 ou 3. Ouais, Donc, on s'est c'est mis une plutôt pas mal. restriction drastique. Ça va le faire. Et ça va aller, on espère arriver quand même rapidement à Salles et qu'on se fasse pas réempétoler parce que ça rend vraiment dingue. Ciao!